Bonsoir, Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 46. Moins il y en aura, mieux ce sera. Quoique cette période, en fait, elle a quand même du bon, hein, notamment pour nos amis les taxis, ils ont même du temps pour faire des échanges. Vous l'avez tous vécu sur l'antenne de Monaco Info, la finale de la Battle des immeubles a tenu toutes ses promesses. Les deux quartiers gagnants, donc la rue des Açores à la Condamine et les Eucalyptus à Fontvieille, ainsi que le personnel du CHPG, se partageront 650 pizzas ce soir. Tout ça parce qu'ils ont crié et tapé dans des casseroles. Mais du coup, ça a donné des idées à d'autres. Allez, il faut y croire, bonhomme. Au menu ce soir, donc de la pizza, mais pas que. Comment l'inspection du travail s'est-elle réorganisée pour faire face au chamboulement de la vie économique du pays pendant le confinement, entre le travail à distance et le CTTR? Et justement, ce CTTR va-t-il se poursuivre pour aider les entreprises à reprendre par étapes? Nous serons en duplex avec Pascal Palanca, directeur du travail. C'est officiellement terminé pour la Ligue 1 cette saison. L'AS Monaco espérait pouvoir profiter des 10 dernières journées du championnat pour se hisser dans les places européennes, mais elles n'auront pas lieu ces 10 dernières journées. Monaco termine donc à la 9e place. À quoi va ressembler le mercato? Quels sont les objectifs pour la saison prochaine? Oleg Petrov, le vice-président de l'ASM, sera notre invité. Mais avant cela, voici le point info d'Émilie Rousseau. Bonsoir Yann-Anthony, beaucoup de questions nous parviennent via le hashtag Réseau Malitia, notamment sur la reprise de l'école. Première interrogation des parents, mon enfant doit-il retourner à l'école? Eh bien seuls les élèves de première, de terminale et de BTS Management en hôtellerie-restauration sont concernés par cette reprise. Suivront les élèves de 6e et de 3e le 18 mai. La cantine scolaire restera elle fermée? Autre question? Que se passe-t-il si mon enfant ne va pas à l'école? Même si l'enseignement demeure obligatoire pour les jeunes de 6 à 16 ans, au vu des circonstances, les élèves ne seront pas pénalisés en cas d'absence. Le gouvernement princier rappelle cependant l'importance de l'enseignement direct en classe. La présence des élèves demeure fortement recommandée. N'hésitez pas à vous rendre sur le site covid19.mc pour plus d'informations. Avec la levée du déconfinement, le diocèse de Monaco s'organise pour accueillir de nouveau ses fidèles dans les lieux de culte. Cela se fera sous certaines conditions afin de respecter les mesures sanitaires. Le port du masque sera obligatoire, un flux de circulation sera également mis en place. Enfin, une signalétique mentionnera le nombre de fidèles autorisés dans l'enceinte religieuse. Le diocèse de Monaco demande aux personnes vulnérables de rester prudentes. Sachez d'ailleurs que la messe dominicale sera toujours retransmise sur Monaco Info le dimanche à 11h. Monaco débute son déconfinement une semaine avant la France. Dès lundi, l'activité de certains commerces va reprendre progressivement. Pour accompagner les travailleurs transfrontaliers, les réseaux de bus vont réadapter la fréquence de certaines lignes. On pense par exemple à la ligne 100 Nice-Monaco-Menton qui sera renforcée. Le réseau Zest, lui, restera gratuit jusqu'à la fin du mois de mai. Merci Émilie. Nous allons à présent faire un point, entre autres sur le télétravail et le chômage partiel. Direction l'inspection du travail où nous retrouvons le directeur du travail. Bonsoir Pascal Palanca. Bonsoir Monsieur Noguès. Vous êtes directeur du travail. Je crois que votre service, votre département n'a jamais aussi bien porté son nom parce que vous êtes confiné au bureau depuis la mi-mars. Vous avez dû vraiment tout réorganiser, tout adapter pour permettre à des milliers de gens de travailler à distance. Oui, tout à fait. Comme le gouvernement a pris des mesures et a adopté le travail à distance par le biais d'une décision du ministre d'État, on a pu du coup avoir par dérogation à ce qui se faisait avant le télétravail, qui limitait le travail à distance, enfin
travail à domicile à 3 jours par semaine, pouvoir permettre à nos salariés de travailler jusqu'à 5 jours par semaine sans que des démarches administratives trop lourdes soient imposées. Et donc on a plus de 10 000 salariés qui sont passés en travail à distance en quelques jours, alors qu'on était à 1 000. Et ça a permis de continuer l'activité tout en diminuant les déplacements. Également le CTTR, le fameux chômage total temporaire renforcé. Qu'est-ce qu'il a de renforcé? Parce que j'imagine que ce mot-là, il a été rajouté là, pour la crise. Oui, tout à fait. C'est un dispositif exceptionnel hein, qui n'existait pas. Et aujourd'hui, ça permet vraiment à l'employeur de réduire totalement ou partiellement l'activité de ses salariés. En contrepartie, il leur verse une indemnité de 70% du salaire de référence par heure chômée. Et l'État rembourse ces 70% avec des mesures spécifiques pour les bas salaires, puisqu'il y a une clause de sauvegarde à 1 800 euros décidée par le gouvernement monégasque, qui fait qu'un salarié qui a un net d'habitude inférieur à 1 800 euros, lui, continue à percevoir son net et ne passe pas aux 70%. Donc, et c'est un dispositif nouveau, donc il a fallu le paramétrer, créer des outils, et notamment un téléservice pour que les employeurs puissent faire des demandes. Vous avez combien de demandes? Il y a combien d'employeurs, combien d'entreprises ont sollicité vos services? Plus de 2 000. Plus de 2 000, et on pense que 20 000 et 25 000 salariés sont en CTTR. Il y en avait moins en mars, il y en aura plus en avril. Et donc aujourd'hui, il faut traiter les demandes. Il a fallu former les équipes. Il y a des équipes de renfort qui sont venues aider l'inspection. Et depuis maintenant presque 1 mois et demi, l'inspection du travail travaille tous les jours, 7 jours sur 7, pour pouvoir gérer les demandes. Vous gérez les demandes et vous répondez favorablement en fonction de certains critères, ou bien est-ce que vous analysez véritablement chaque dossier? Est-ce que vous donnez une autorisation aux employeurs en disant « Non, mais attendez, ce poste-là, oui, ce poste-là, non. » Est-ce qu'il y a des contrôles ensuite? Parce que ça représente beaucoup d'argent quand même. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas sur un contrôle au début sur la légitimité ou l'éligibilité pour les entreprises, parce que du fait du confinement, il y a eu un arrêt des activités. Donc les entreprises, aujourd'hui, personne ne doute qu'elles sont en difficulté et qu'elles en ont besoin. Par contre, comme on est sur un remboursement d'une allocation par l'État par rapport à un salaire de référence et une demande chiffrée par l'employeur, on essaye de contrôler, surtout sur les gros montants. Il faut que les pièces, il y a un certain nombre de pièces à fournir. Donc on est obligé d'aller dans les demandes, de regarder, de demander des éléments complémentaires quand on ne comprend pas ou quand la demande n'est pas cohérente. Donc là, on est dans une logique à Monaco de remboursement. Donc ce sont les employeurs qui avancent l'argent et qui payent finalement leurs salariés et ensuite vous remboursez aux employeurs. Parce qu'il y a d'autres pays où c'est directement l'État qui versait des allocations aux gens en chômage technique. On est comme sur le dispositif français, hein, qui est en France, c'est l'activité partielle, où l'employeur, à la fin du mois, paye son salarié avec soit une partie des heures travaillées, elles sont payées normalement, et les heures en CTTR sont payées à 70% avec les clauses de sauvegarde éventuellement qui augmentent un petit peu le montant. On nous donne le montant de l'allocation que l'employeur doit se faire rembourser, et nous on est sur cette base-là. Par contre, on essaye de le faire en début de mois, d'où le fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 20 personnes qui travaillent aujourd'hui à l'inspection pour pouvoir gérer les demandes du mois d'avril, parce qu'on a déjà les demandes le mois d'avril, les employeurs ont fait les payes, sont en train de les faire, et là on a sur avril déjà plus de 600 demandes. À partir du 4 mai, il va y avoir une reprise progressive du travail. La norme, ça va être encore le télétravail? Oui, tout à fait. Il faut que ça soit toujours le télétravail, enfin le travail à distance. Quelle est la nuance, la différence entre télétravail et travail à distance? Alors le télétravail est vraiment encadré par une loi, avec donc des conditions de mise en place. Il faut un dispositif cadre qui précise qui est éligible. D'accord. Donc le travail à distance, la définition, en gros, c'est du télétravail renforcé. Élargi. Élargi, très bien. Donc à partir de lundi, qu'est-ce qui va changer? On a parlé avec des restaurateurs dans cette émission, avec des commerçants, notamment des fleuristes, qui disent
Nous, on ne sait pas dans quelle mesure l'activité va reprendre. On va certainement laisser une partie de nos salariés en CTTR. Est-ce que le CTTR va se poursuivre ? Oui, le but du gouvernement, c'est d'accompagner les entreprises. On les a accompagnées pendant le confinement. Et il faut maintenant qu'on réussisse le déconfinement et on va les accompagner dans ce cadre-là. C'est un petit peu la grande inconnue. Il y a des phases à respecter. Donc aussi bien sur le travail à distance, ça reste aujourd'hui une mesure phare qu'il faut continuer à appliquer pour ne pas revenir comme avant avec des pendulaires qui reviennent tous les jours. Et le CTTR, on comprend bien que la reprise va être progressive et donc que les employeurs en auront besoin et que dans le cadre de notre soutien d'activité, il est normal qu'il perdure. Après, ça reste une mesure exceptionnelle, temporaire. Donc je pense que le gouvernement évaluera à l'aune du déconfinement sa pertinence dans le temps et son évolution peut-être nécessaire. Pascal Palanca, juste pour avoir une idée, sur le mois d'avril par exemple, le CTTR, ça représente combien ? On pense qu'on pourrait atteindre entre 40 ou 50 millions d'euros. En mars, on est sur des montants beaucoup plus faibles, mais l'activité n'a été réduite qu'd'un demi-mois. Après, comme il n'y a plus d'activité pendant un mois et demi, des salariés ont basculé du travail à distance en CTTR une partie de la semaine. Bon, merci beaucoup Pascal Palanca. On met beaucoup à l'honneur évidemment les soignants dans cette crise parce qu'ils le méritent. Mais je crois que je reprends une formule de Jean Castellini, le ministre des Finances, qui disait que les entreprises, et en l'occurrence vous aussi parce que vous aidez les entreprises, vous êtes les soignants de l'économie. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Vous travaillez plus pour permettre à ceux qui travaillent moins ou ceux qui ne travaillent pas de traverser cette crise sans trop d'encombre. Merci beaucoup Pascal Palanca, à bientôt. Merci à vous. Voici le best-of de vos posts sur le réseau Malizia. Nous allons à présent parler d'un club qui nous a fait vivre des émotions sans pareil. Hein, des moments de pure folie en Champions League. Je pense entre autres à ce 6 avril 2004 où l'ASM au Louis II a fait une remontada face au Real Madrid. Je pense aussi à une autre remontada et à ce but de Bakayoko face à Manchester City le 15 mars 2017. Et le job de notre prochain invité, c'est précisément de nous faire revivre ces moments-là. Le vice-président de l'ASM est avec nous. Good evening, Oleg Petrov. Good evening. Thank you very much, Oleg Petrov, for being with us. I guess you must be a bit disappointed as the vice president of AS Monaco, as you were aiming at a position on the podium to be qualified for the European Champions League. And with the end of the Ligue 1 season, well, Monaco ends up at the 9th position. Well, yes, exactly. This is not a good result for us, and we expect it to continue to fight. Obviously, we targeted the premium, basically positions, and we expected to end at the podium in the end of the championship. Well, we counted on the last 10 games, because 10 games is not a small piece of the championship in this case. And well, it was a difficult championship in general. Not an easy start for us. But we did a lot in the process. We reinforced the team in the summer, we reinforced the team in the winter, we attempted the organization during the winter mercato, we changed the technical team, the coach. So it was a constant, basically constant drive to change and to come to the top position. So we never dropped our hands, I would say. We never stopped. And I'm sure that if we had
those 10 games we would definitely gone by far better. When you change everything in a team, the coach, the players, the strategy, and then you stop for 4 to 6 months, is that a rather good thing so that everybody can get together and learn to work together, or it's a bad thing? Well, I think that any break of such magnitude is not a very good thing, because the team still, we have the core composition of the team which stays, because we built the team, we brought many players this year and last year, so this team is supposed to play together. So we have the new technical team and the coach, so the goal would be to play together as much as they can. Plus, of course, staying without actual games, practical games for the player is not ideal. The player should play, so it's not very good that it happens this way. You have approximately 75 players under contract, and economically, it will be a tough year next year, as next season you won't be playing any European competitions. So that means no TV rights, so no income for European Cup, and less spectators. How will you adapt your club's economy? Will you get rid of many players? Well, we work on this, of course, already for a while, and we have to basically use different resources. In terms of cost reduction, we need to observe all possible measures, cost-cutting measures, and be very prudent and disciplined. Of course, we would like to find places for some players which has to leave. We have many players on loan, which we're currently discussing with other clubs and looking at the opportunities either to sell or to extend the loan. But many of them, most of them are very good players. And I think that this summertime, many clubs will have difficulties to buy, and to the market will be very special. I think that many clubs will not be able to buy. I think that for us it will be a challenging mercato, you're right, in terms of reducing our effective. Well, I think that this year is not the year where you really can sell at premium, so maybe it's not the best year to liquidate, basically, at all costs. We have to be wise, we have to be prudent. There's one name who's important because he scored 18 goals this season. So obviously, I'm thinking of Wissam Ben Yedder. Will he be gone in September or in August? Or will he stay in Monaco? We expect that Wissam will stay in Monaco. There was an interest for him during the winter mercato. Well, he was a big, not even asset, he was a huge element of the victory. He was like a scoring machine. And we actually, when we were considering him, he was exactly supposed to deliver this mission, and he delivered this mission. He was a guarantee of the goal in almost every game. If you take the statistics, he almost scored every game. So it's very difficult to replace such a player. And beyond being a great performer in terms of goals, he is a great athlete in terms of psychology, mentality, a good example, a motivation for many other players in the team. So I think that Monaco needs such a great quality as Wissam. He is a jewel in our team. So he's a jewel. Sure. Are you looking for more young jewels during this mercato? Do you still have that strategy of trading players and finding young players, which was a very successful strategy for Monaco in the past years? Definitely, yes. Definitely, yes. We're looking for jewels. We have some jewels as well. We have one of the young talents which we have raised in Monaco Academy is Benoit Badiashvili, who is a great player as well. He plays already with the first team. He is 18 years, doing great. Plus, we have some young boys in the academy whom we believe can be another jewel in Monaco at a certain point. So the strategy remains the same. So we need to bring young talent, develop young talent, and that will remain as one of the major directions of Monaco Football Club. How is Robert Moreno adapting to Monaco? Because it was a rough few years in terms of coaches with Thierry Henry, Leonardo Jardim leaving, coming back and leaving again. I think he's adapting well. You're right, it was not an easy period of time for the club, exactly. I think that for Robert it was the change of the league, so from Spanish league to a French league. I think that he's a very good coach, a great coach.
It took him a bit of time and still as well to learn the specifics of the French league. And French league is very special. And I think that he learned that already after the first games and refocused a bit his approach. He managed to adapt quick, and I expect that he will progress more once the season restarts. Oleg Petrov, on a more, I'd say, personal note, what would you recommend? Should my family and myself get a subscription to the stadium for next season when the decision has to be taken at the end of August? Basically, what's the objective for next season? Will you be on the podium? We will be on the podium next year. We won't be. We will be on the podium next year. That goes without saying. Okay, and then in the long run, what's your dream? What's Dmitry Rybolovlev's dream? Winning the European Champions League? Definitely, yes. I said before that we want to win the French League championship title, and we're serious about it. It may sound now maybe inappropriate, but we think it will come sooner than later. And also, we want to win the Champions League at a certain point. That remains a goal. We'll make it. Because I remember in 2004, I was in Gelsenkirchen when we were in the final against Porto and we lost heavily. And then in Juventus, where we lost in the semi-final. But one day, you're saying that Monaco will win? Monaco will win. Monaco will win. Oleg Petrov, Vice President of AS Monaco, thank you so much for being our guest tonight. It was an honor. Thank you very much. Thanks a lot. C'est une édition de luxe que nous vous proposons ce soir parce qu'après Émilie Rousseau pour le Point Info, on a doublé les effectifs et c'est Alexandra Pagny qui va faire le Point Info pratique. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Anthony. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quel parent n'a pas entendu plusieurs fois dans la même journée cette éternelle question? Alors que certains vont reprendre dans les prochains jours la direction de l'école, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Je vous propose donc dans ce Point Info Pratique quelques idées pour occuper les plus jeunes de manière ludique et surtout en les faisant participer. Premier atelier, fabriquer soi-même son jeu de société. Yann Anthony, est-ce que vous vous rappelez du jeu Qui est-ce ? C'est un jeu de déduction tout simplement, où le but est de découvrir le personnage mystère de son adversaire. Avec cet atelier, vous pourrez créer vos propres personnages personnalisés en un tour de main avec un matériel très simple, du papier, des feutres, des ciseaux et des pinces à linge comme support. En quelques minutes, le tour est joué. Et si j'ai réussi, vous pouvez y arriver. Autre atelier plus poétique cette fois, le nouveau musée national de Monaco nous apprend sur son site internet à fabriquer son théâtre des ombres. Il faut vous munir d'une boîte à chaussures, une feuille de papier cuisson, un cutter, une paire de ciseaux, du ruban adhésif, un crayon et une règle. On commence par découper le fond de la boîte, puis à placer le papier cuisson à sa place comme écran et bien le scotcher. Vous devrez ensuite créer vos personnages en carton. N'oubliez pas de laisser une petite languette à leur base pour pouvoir les tenir. Et le tour est joué, vous êtes prêt pour monter votre propre spectacle de variété. Laissez libre cours à votre âme de conteur. Et en parlant justement de contes, à partir de ce dimanche, retrouvez les productions de l'Opéra de Monte-Carlo sur Monaco Info. On commence donc avec Falstaff de Giuseppe Verdi. Les épisodes 1 et 2 seront diffusés dimanche à 17h. Les 3 et 4 seront à retrouver jeudi, toujours à 17h. Notez bien ce nouveau rendez-vous culturel. Allez, c'est parti pour le best-of des réseaux sociaux. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Fais du beurre maison, j'ai fabriqué un Thermomix. Allez les enfants, plus que 30 minutes de squat. Et après on enchaîne avec une bonne séance de gainage. Je vais distribuer les légumes du jardin à tout le quartier, dans un rayon d'un kilomètre. Yourself, no
Monaco face au Covid-19. C'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h pendant le confinement. Et vu que le confinement se termine lundi matin, ce sera dimanche notre dernière émission spéciale Monaco face au Covid-19. À demain sur Monaco Info.